sale pétasse de l'écarteuse, vieille pute, le temps d'Aïcho, vieille chouette. Tu veux parler à qui? Tu cherches les vues? Une chienne comme toi, tu cherches les vues? Hein? Une pétasse, tu laisses dans ton trou, Ara, tu veux parler à qui? Tu veux parler à qui? Un sale chienne, venez. Comme sur le clavier, l'insulter bien, cette pétasse, cette écarteuse. D'anus troué. Donc, je vais mettre. Maman, j'ai écarté. J'ai écarté. Sale chienne. Tu veux parler de qui? Vous allez tous revenir. Allez, dis que tout le monde revient. Toi, tu es à côté. Demande. L'insulte propre. Demande. Regarde. C'est écervelé. Demande. C'est écervelé. Revenez, tout le monde revient. Je vais l'insulter. C'est écervelé. Hein? Cette chienne dit que quoi? Cette pétasse, cette prostitute, cette chienne, cette écarteuse, cette pipi. Une pisseuse de la nature. Une pisseuse de la nation. Elle va dire quoi à qui? Une pisseuse de la nation. Une fille qui pisse partout. Pardon, bipez-moi tout le monde ici là. Vous aussi, hein, des traîtres comme vous. Dès qu'il y a un petit, vous partez de ailleurs. Vous voulez entendre quoi que vous n'avez jamais entendu. Hein? Bande de vampires comme vous là. Vous voulez entendre quoi que vous n'avez pas encore entendu. Vous êtes nourri par le clash. Vous revenez. N'importe quoi. Merde. Vous me rappelez la troupe ici là. Elle dit que tu n'as rien vendu. Je te bloque, hein. Toi, Lord Samuel, là, tu m'arrêtes ça. Je ne t'ai pas demandé ce qu'on a dit que. Vous aimez trop ça. Va là-bas alors. Que quoi? Hey. Qu'elle cherche sa place là-bas doucement, hein. C'était prévisible, ma peau. Ils vont profiter de la situation. Mais oui, non, ils n'ont pas de sujet de conversation. Ils ont quel sujet? En dehors de parler de Fleur de Lys, je vous avais dit que. En dehors de Fleur de Lys, ils parleront de quoi? Demain, il y aura quoi d'autre? Qui se réunissent ensemble? J'ai dit que cette fille-là, j'ai mangé avec toi. Tu payeras tout ce que tu montes avec les autres là. Toi, cette petite fille-là, tu vas payer, ma chérie. Tu vas payer, pas petit. Gros comme ça. Oui. Tu payeras gros comme ça, toi. Bitch. Bitch. Demain, vous allez parler de quoi? Hein? Toujours les occasions. Maman, elles ont quel esprit créatif? Elles peuvent créer quoi? Elles peuvent créer quoi? Corio des queens. Facebook, c'est le cinéma. Maman, les mêmes qui insultent aujourd'hui quelqu'un, hein, quand ils voient que les gens là, ils sont en train de faire le racolage. C'est passé sur le restaurant, maman. Si c'était pour le restaurant, hein, et ça allait cuire jusqu'à. Dites à la pipite, l'autre, elle va recevoir. Moi, j'ai dit. Elle va recevoir. On fait comment? Il est quelle heure là? On va prendre la route peut-être, non? Il est quelle heure? 20h. Que 20h? Oh, ça vient. On me bloque. Qui va te bloquer? C'est toi, leur inspiration. Je suis plus source d'inspiration. Fleur de Lys donne le coup d'envoi de Facebook. Je vous ai tout dit quand même. Elle viendra toujours prendre les restes. Comme c'était le clash, ils ont partagé la vidéo de cette petite bimbèche. Qu'ils se mettent ensemble, qu'elles sortent leur édition. Facebook, c'est la sorcellerie.
La fille d'Allemagne, Mafo la douce, la fille de l'Allemagne a pas appelé. Elles sont toujours derrière moi. Elles existent grâce à moi. C'est moi qui leur donne la vie. Je vous ai dit que si ces gens-là ferment la bouche sur moi, leur vie se ferme. Ce sont les sales chiennes qui n'ont pas de vie, maman. Si elles ferment la bouche sur moi, qui va encore les calculer? Hein? Celle est enfermée dans un trou à rats qu'elle n'arrive pas à payer le loyer. Elle crie, pourquoi elle ne fait plus le direct tout le temps? Elle est où comme ça? Dans quel hôtel de passage de se faire sauter? Cette maman Choulomi, elle est où? Depuis qu'elle crie là, qui les invite, maman? C'est sur la Numba ou nous? Vous allez beau dire quoi? Hein? Je passerai tout. Après moi, c'est moi. Vous n'existez pas. Partagez, dis donc, vous aussi. Vous énervez. Hein? Comme ça, Burger, vous êtes déjà parti là-bas. Vous là, vous êtes des vampires. Hein? Les Congosis comme ça. C'est tout, vous sautez partout. Les mamans et les papas Congosa. Vous allez écouter là-bas, venir ici, écouter. Écoutez là-bas, allez dire, écoutez ici, allez dire. Allez, rappelez-moi tout le monde chez les carteuses. Rappelez-moi tout la troupe, dis donc. Vous aussi. Luna Zoutou, rappelez-moi tout le monde. Cette sapac. Ma folesse, ça te durera pas. Selfie au kilo de lèvres. Ouais. Mon beau frère. Maman anesthésie, elle est venue ici à Cannes, maman. Maman, c'est pas les vrais blancs qui l'a sauté. C'est les boulangers, les c'est, apprentis. Maman, c'est les apprentis boulangers. Une salope aux apprentis boulangers. Une fille qui fait le wakaka avec les plongeurs. Les saisonniers qui viennent chercher le travail à Cannes là. Les travaux saisonniers là. C'est là-bas qu'elle fait sa part de wakaka. Quand pour la voir, elle a le profit d'une fille qui peut wakaka à Cannes. Ma chérie, tu ne peux pas faire escorte à Cannes. Tu n'as aucun profit. Tu n'as pas de fesses. Tu n'as rien. Tu as les 5 plats comme la plakali. Vous comprenez? Cette fille au. Oh, au Saint-Lolo. Avec ses Saint-Lolo. Une salope, elle dit qu'elle fait là. Elle fait, elle casse les bambous depuis. Mais. Elle casse les bambous. Elle ne peut pas se faire la poitrine, maman. Quand on a une poitrine trop mou, on la refait. Hein? Une poitrine des femmes robeux là. Quand on va au marché du dimanche là. Les femmes partagées, pardon, vous m'énervez. Eh Dieu! Ouais, quand je suis en direct comme ça, que vous ne m'entendez pas, ça m'énerve. Non, vous n'êtes pas en train de partager. J'ai envie de traiter son frère comme ça. Tu veux manger une salade? Tu veux qu'on commande deux salades? Oui, comment la salade? Excusez-moi. Madame? Excusez-moi. On peut manger? Parce qu'on voulait les salades. Oui, regarde, tu vas manger les salades. Non, deux salades et... bonne salade et tout. Non, maman, vous avez caché mon carême. Ça fait non, ne fais pas le carême. Non, on va parler de ça. Non, pardon. T'inquiète, ma chérie. Moi, je fais comme les blancs. Hein. J'aime pas qu'on me donne tout comme ça. Moi, je fais comme les whites. Hein. Quand j'arrive au restaurant, je me comporte plus comme les Africains qu'on va tout payer. Non, moi, je vais payer. C'est ma part. On t'a tellement fait. On m'a tellement crèche, pardon. Poisson, entrée, salade. Alors, je vais prendre une salade. Tu fais régime? Salade. Non, j'ai pas envie de manger. Parce que j'ai. Tu mais sais, si quand t'as je vais. Pas envie de manger. Non, je vais manger une salade. Parce que c'est pas régime. Mais il y a une salade. Une sésame. Je sais pas si, excusez-moi. Une sésame. En fait, toujours. Je ne sais pas si c'est la saison. C'est l'été qu'on fait ça. Une salade avec les salades vertes, c'est quoi? Salade croisette. Pas encore. Vous avez c'est quoi comme salade de avec des... Non, tous les ans, je ne la referai pas cette année. De toute façon, ouais. Mais l'année tout dernière, temps. Vous l'avez oui, mais c'était l'année dernière. Ouais. On change tous les ans. Ah, maton. En fait, c'est je veux une salade bon, avec les feuilles de salade verte, par exemple. Qui a plusieurs. J'en ai plein. J'en ai quatre qui sont là différentes. D'accord. J'en ai à base de légumes, pas de poulet. Je vais prendre de... Je vais prendre la première. Une salade maison, où il y a quoi en fait? Salade sous sésame. Tu veux prendre quoi comme salade? Salade, César gambas. César gambas, bah deux, pareil. Hein. César gambas. Elle ne veut pas manger. Non, hein. Ouais, merci. Pas. Merci, madame.
avec de l'eau. Chienne, pétasse, prostituée, incapable de manger au restaurant. Toujours en train d'emballer les chicoins pour aller sentir l'odeur, le truc des blancs. Chouane, tu peux te déplacer manger dans un restaurant. Chienne, une pétasse, toujours en train de parler mon nom. Une chienne, sans mon nom, cette pétasse peut vivre. Hein? Toujours en train d'emballer le poulet du. De l'eau, ouais, de l'eau plate. Poulet dur. Poulet dur. Elle emballe. Oh. Maman, le piment va se verser dans ton sac, chienne. Une fille qui vole les draps dans les hôtels. Pétasse, tu es recherché à Cannes. Vol de draps dans les hôtels. Imbécile. Une voleuse de préservatifs. Elle entre en pharmacie, elle vole les préservatifs, chienne. Non. Imbécile. Sapac. Tu connais ce qu'on appelle le lubrifiant, chienne. Pétasse. Je t'encule sans lubrifiant, chienne. Toujours ton pire cauchemar. Pute des campings. Elle, tu connaissais les gens de l'autoroute, non? Les gros camions de l'autoroute, là. Des sorties d'autoroute, c'est là-bas qu'elle fait le waka. Des sorties d'autoroute là, on les appelle que quoi? Ceux qui conduisent les camions. Les routiers. Une waka. Une waka des routiers, maman. Des carteuses. Sale chienne des routiers. Une chienne des routiers qui se place seulement à l'aide d'autoroute pour faire le waka. Tu n'as pas honte. Anesthésie générale pétasse. Hein? Tu te mets qu'à l'aide d'autoroute. Maman, on te prend que devant derrière chienne. Pour 20 euros. Pipi. Pipi. Sale chienne. Tu ne fais plus appel à. Tu peux faire quelle émission? Tu as quel sujet? Une sapac. Hein? Hein? Sans créer mon nom pour les vieux, elle va avoir quoi? Hein? Une pute qui est de l'autoroute. Une waka des routiers. Une fille qui fait la chaîne pour les routiers. Une sapa. Je suis la 9 de Facebook, la seule maman. Si tu veux te concurrencer, on va te faire toucher par Samuel Eto'o. Que Samuel Eto'o te salue aussi. Salade. Tu sais qui parle en bavant. Chienne. Avec ses fesses plates comme le plateau de la Damawa. Elle parle à qui? Avec la 5 maman. Elle a les 5 jusqu'ici. Les 5 qui touchent au ventre. C'est le dimanche qu'on voit sur le marché. Le dimanche. Et c'est plate sur le marché. Le dimanche. Ça, les cadeaux, ça part. Je suis ton pire cauchemar. Je suis ton pire cauchemar. Une chienne des aides d'autoroute. Maman, les gens n'arrivent même pas à supporter t'écouter. Tellement tu aboies comme une chienne. Quand tu finis de prendre ta coque là, une sapac. Tu as eu la chance l'autre jour. Tu allais encaisser. Hein? Allez commenter ce qui la concerne là-bas. Ne venez plus mettre ce qui la concerne ici. Je suis désolée. Une écarteuse d'autoroute. Cette fille va écoper le clash. Cette petite fille-là. Elle va écoper très mal. Cette petite sapac, cette petite écervelée qui cherche les ennemis d'hier pour me combattre aujourd'hui. T'as pas honte, petite chienne? À ton âge, je ne t'ai pas comme tenais pas ton poids. Hein. J'étais très. À ton âge, à 23 ans, commence à contrôler ton poids. Hein. Une petite fille, tu dis que tu es une petite fille. Tu as vu le poids que tu as? Même ma mère assise au village n'a pas le poids que tu as. Petite chienne. Petite prostitute.
tu t'assois, tu montes derrière les gens pour me clasher. Petite chienne, viens publier ce que tu as dit. Ça part de ton état. Hein? À ton âge, 23 ans, maman, une femme n'est pas, elle n'a pas le poids que tu as. Hein? Pétasse. Les gens qui t'insultaient hier, tu les montes contre moi aujourd'hui, chienne. Va faire son édition, pétasse, mais tu vas me payer ce que tu me dois. Petite cervelée qui manque le respect aux gens, petite anarcheuse. Tu vas monter maintenant les détracteurs pour me combattre. Hein? Tu vas écoper. Je n'ai rien à foutre avec les carteuses. J'en ai rien à cirer avec elles. Ma chérie, tu es arrivée là où, hein, où tu as mis ton pied. Toi, cette petite pétasse de Londres-là, cette petite droguée-là, tu vas écoper tous ces gens que tu montes pour me clasher. Ma chérie, le ballon que tu prends sur ma tête, pardon, tu vas écoper, petite salope, petite chienne. Je vois les commentaires des détracteurs sur ton mur. Espèce de chienne. Tu vas arriver. Je suis à Londres pour un mois. Ces gens-là parlent que derrière la toile. Ils ne peuvent jamais se présenter en vrai. La dernière qui se présentait en vrai a écopé. Monte les gens pour me clasher. Tu vas écoper. Petite écervelée. Tu montes les gens qui t'ont dénigré des produits hier. Ils m'ont lâché. Bonsoir, messieurs. Waouh. Elle a l'air très bonne. Merci. Salade. Moi, je mange à midi. Oui, merci. Merci. Tu manges. Ah, oh, oui, tu fais le carême. Moi, même. Cette petite cervelée, elle s'attaque à qui? À moi, Flore. Chienne. Petite salope. Petite prostitute. À ton âge, tu traînes ton corps comme une vieille mère. Même moi qui ai pris tous les pénis de la terre, je ne traîne pas encore mon corps comme toi, petite pute. Hein? Petite pute. Hein? Une petite chienne, saleté de merde. Là, tu vas prendre le temps pour manger. Chienne. Tu as dit que tu veux le clash avec moi, non, mamie Londres? Hein? Mamie prostitue de Londres, là. Tu vas me donner mon argent. Tu vas monter les chauves-souris, les pipitologues. Monter. Je vais monter que sur toi. Ma chérie, je vais te goder. On t'a dit que je gode, non? On t'a dit que je les gode, non, petite chienne? Je vais te goder. Sale pétasse. Une erreur de la nature. C'est toi qui montes les tracteurs contre moi, chienne. Il y a quelqu'un qui veut. Mais passe-moi la personne. Ma drama en question. Tu as plein de danger. Je vais rappeler. Mais tu ne manges pas le truc. Le pain. Ok. Petite chienne. Le clash avec toi. Toute ta famille va passer. Je dis ça, moi, Florine. Tu vas me donner mon argent. Les gens qui m'insultent, ils m'insultent derrière de tout. Petite chienne. Une pétasse comme ça. Tu veux utiliser qui? Hein? Tu veux faire ça à qui? C'est le concombre. Tu vas prendre ça dans ton gros cul là. Petite chienne. Regarde-moi une fille de ton âge. Ta méchanceté t'a rendu comme une vieille grand-mère. On te voit au visage d'ange, alors que tu es méchante. Toi, la chienne qu'on appelle, c'est Sandra ou c'est quoi là? Une pétasse. Regarde comment tu es. Une fille de ton âge. La méchanceté, espèce de sorcière. C'est toi la sorcière. C'est toi la sorcière, sale chienne.
peux me donner mon argent. Des tasses. Je n'ai pas encore cherché. Va t'allier au détracteur. Si le commerçant n'entre pas dans le café, en train de... Petite salope de merde. De mes couilles. Petite chienne. Elle fait les menaces à qui? Va chercher les cartes, ce que tu veux. Petite pute. Petite prostitute. Continue à te faire baiser par les petits footballeurs les petits footballeurs qui font le foot, les amateurs de foot. Chienne. Je vais niquer ta race. Avant nique ta race. Je vais niquer ta race. Tu joues avec qui? Tu montes les gâteaux contre maman. J'ai pas peur des injustes. Je suis habitué. Tu vas subir. J'ai du feu. Merde. Elle veut monter Pipitologue. Pipitologue qui l'a insulté hier. Les gens n'ont même pas de personnalité. Tu n'as pas honte. Petite machin chose. Machin chouette. Toute ta famille passerait, sera en Nantes. Recherche le cabinet de ton beau-père. Celui qui t'a reconnu là. Sale chienne. Elle insulte qui? Je vais te traiter. J'ai du feu à volonté aux abeilles. Feu! Ouais. Allô? Oui, ça va? C'est la reine mère. Toi, la voisine de Madra. De tête de cette vampire de Madra. Cette pygmée. Cette fille au jansan de. Comment on appelle? Votre jansan de filtre là. Cette fille au jansan filtré. Oui, ça va. Tu vas bien. Regarde-moi la chienne qui est venue s'asseoir pour m'insulter. Une fille qui s'est déshabillée devant moi à l'hôtel. Elle n'a jamais dit pourquoi elle s'est déshabillée. Tu étais amoureuse de moi. Tu t'es déshabillée, t'es zappée. Je faisais genre au téléphone. Tu n'as pas encore dit que je suis lesbienne. Je ne suis pas lesbienne, je suis lesbute chienne. Une fille qui arrive dans un pays, en Californie, à Las Vegas avec son mari, elle me choisit à son mari, elle signe qu'il va sauf que venir nous donner la nourriture dans ma chambre. Elle n'est jamais sortie de ma chambre. Elle n'a rien vu encore. Elle n'a rien vu. Elle est mariée avec un jeune petit garçon. Au lieu d'aller Mbinda pour accoucher l'enfant. Elle te dit, au lieu d'aller s'asseoir avec son consent pour avoir un enfant avec son mari, elle prend l'enfant de lui, elle met dans la maison. Elle ne peut pas écarter ses jambes pour lui donner parce que c'est Facebook. Elle écarte à Facebook. Elle ne pouvait qu'aller chercher un orphelin de père et de mère. Parce que le gars n'a pas de famille. Et éducation. Vraiment. Un petit jeune garçon comme ça. Demain, c'est. Je viendrai manger. Mais dans la journée. Ah, je suis en train de manger, elle va te donner, elle va me donner ton contact. C'est mieux. Tu sais dans quel état? Moi, je serai à Los Angeles. Là. Ah, tu peux venir à Los Angeles? Ah, tu vois? Ah, ça c'est cool. J'arrive à Los Angeles le 19. Hein. Le 19 juin à Los Angeles, oui.
D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais te donner. On va changer de numéro. Hein. D'accord, ma puce, je t'embrasse. Il y a commis, tu as love you so much. Thank you, baby. Thank you. You're welcome. You're welcome, baby. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yes. I pass you your sister, baby. Thank you. Thank you. C'est parce que les gens n'aiment pas choser. Tata Doudou se décide. Tata Doudou, on descend là-bas. Chez Pipitologue, on lui montre de quoi on est capable. Nivakin, il faut que je t'aie parce que je sais que tu connais Web. Tu comprends? Elle va écoper. Je connais la bagarre des noirs. La police ne s'intéresse pas trop. Une voyageuse dans le cerveau. Elle voyage dans le crâne. C'est bien. Mon portefeuille ou mon grand portefeuille. Je n'ai pas là. Ah, oui. Une chienne. Maman, je suis française. Hein. Ma carte de. Maman, tu sans papier. Maman. Maman, tu parles à une fille qui est française. Celle qui voyage dans son cerveau de moineau là. Ma chérie, j'ai fait le. Il n'y a que Dubaï qui me manque. Voilà Dubaï. Ma chérie. Tu parles à une française. Le papier français, troisième papier le plus puissant du monde. Le Japon premier. L'Allemagne deuxième. France, troisième papier le plus puissant. Le passeport qui ouvre les portes. Premier passeport au monde le plus puissant, c'est le Japon. Deuxième, c'est l'Allemagne. Troisième, la France. Le reste, c'est le vrac. L'Espagne, maman, on partage ça en gros. Non, toi-même, répète là. Tu dis. Oui. Maman, la jalousie. Laisse, c'est la jalousie. Vous voulez envoyer chercher la tonne. Ma chère. Que quoi? Le passeport le plus puissant du monde, le premier passeport, c'est le Japon. Deuxième, Allemagne. Troisième, c'est France. Je m'arrête là. Le reste, c'est aussi bien. Je m'arrête sur mon pays. Ça ouvre 87 pays sans passeport, sans visa. 187 pays. Avec le passeport français, tu as le droit d'aller dans 187 pays sans visa. Elle pleure ça. Maman, tu es sans papier. La carte de 1 an, c'est quoi? C'est provisoire. Carte de 1 an. Man. Je dis que quand elles se réunissent ensemble, ça ne changera rien. Elle va me donner mon argent. C'est tout. Qu'ils aillent se réunir ensemble, ça ne changera rien. Cette fille va me payer. Mmh.
arrêtez de venir faire vos la publicité gratuite ici. Hein. Merde. Elle veut mon argent. Elle veut mon argent. Envoyez les cœurs. Ça me donne mon argent. Ouais. Hey. Maman, quand on a une société, on crée le désordre. La semaine prochaine, on va parler de quoi? On va parler de ta mère. Hein? Bâti le FB. N'importe quoi. Qu'elle intervient où elle veut. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'elle me donne mon argent. Tous ceux qui viennent me parler là. Je dis que quand vous voulez ici là venir ici parler des femmes qui ne savent pas entretenir leur mari, ma projet propose ce sujet. On parlera de ça une autre fois, je le dirai. Qu'elle intervienne. Elle ne peut pas intervenir là-bas. Nya, pasteur Klaus, avec ta grosse bouche. Comme le puits. Tu comprends, non? Arrête d'envoyer une demande d'amis à ma team. Tu avais déjà dit que tu es mon ennemi, pas. Mon appétit, bébé. C'était bon, t'as bien mangé? T'as aimé? C'est trop bon, hein? T'es sûr? Donne-moi la main. Je suis content d'être venu avec toi. D'accord? Désolée de te laisser un petit peu. Hein. C'est parce que je parle avec mon amie. De longue date, tu ne la connais pas. Donc voilà. Mon amie personnelle. Oui, la reine mère, feu vraiment, elle vient de manquer le respect. Oui. Ma peau, tu donnes envie de manger. Ma peau, l'émission de bon. Oui, l'émission de bon. Je suis avec ma fille bien. Tata Bijou avec moi, Aurora. C'est que les gens parlent de Ngamba, ils ne connaissent pas cette famille, ils sont très sauvages. C'est pas parce que depuis vous parlez, ils ne font rien. C'est que la prière calme les cœurs, parce que la famille Ngamba demande à qui vous voulez, très sauvage. Oui. Papa de nous, c'est comme tu veux. Si tu me dis seulement ma fille, on part.
Mathieu, alors romantique, le fait ça. Jusqu'à. C'est pourquoi les gens pleurent toujours, il y a un bon cul, non. Trop romantique, hein, maman. Jusqu'à. Les cadeuses, il y a une prochaine soirée le 8. Le 8 juin à Paris, la soirée Black Angot avec Blanche Bailly. Si elle est une femme, qu'elle vienne. Si j'étais bloquée, est-ce que tu peux m'envoyer demande d'abord? Non, c'est ça. Dites à les cadeuses que Blanche Bailly, le 8 juin, la nuit Black Angot. Hein? Que si elle est une femme. Eh, le PDG Claude Akam. Le PDG. Il faut que. Quitte un peu ce magasin. Il y a le wok. Bon, ma danger. Désormais, c'est à Londres que vous allez travailler. Vous allez wok. Nuit et jour sans dormir. Je vais vous payer. Ne vous inquiétez pas. Le 20 mai, je vous paye. Le 1er mai de l'année prochaine, je vais payer les salaires de tout le monde. Je vais vous envoyer les fiches, je paye aussi. J'aime pas les tomates. Je n'aime pas les tomates. Le quartier général maintenant, désormais le QG sera à Londres. On va walk à Londres. Elle pleure quoi, cette chienne? Vous êtes affecté à Londres. Elle va me payer mon argent. Cette chienne, elle n'a pas honte. Et même qu'il a clashé hier, elle part déjà se rallier. Vous avez vu le monde? On va lui donner grosse patate. La patate de Londres. Non. La patapouf de Londres. Désormais, la patapouf de Londres. Désormais, son nom, c'est la patapouf de Londres. Patapouf de Londres. La patapouf de Londres. Une chienne. Une pétasse. Votre nouvelle résidente, vous allez traiter la patapouf de Londres. Jusqu'à ses aïeux. Sa Pâque. Elle me veut quoi? Elle vient me clasher. Après ce que j'ai fait pour cette fille, vous trouvez normal qu'elle me clash? Hein? Elle est en train de pleurer quoi? Qu'elle paye mon argent? Vous êtes affecté désormais à Londres. Jusqu'à ses aïeux, Claude Akam. Une chienne. Elle insulte qui? Je lui ai fait quoi? Une pétasse. Enfant mal éduqué, mal élevé. Nous sommes pauvres, mais j'ai bien éduqué Choupi. Mes parents m'ont bien élevé, bien éduqué. Une sapaque. Elle insulte qui? Où est partie l'humilité qui précède la gloire? Hein? L'humilité précède la gloire, Jessica Mbok. Cette fille me veut quoi? Elle me doit l'argent qu'elle me paye. Elle me paye par les produits à Paris. Moi, je serai là-bas. Tous les jours, la police serait là-bas. Les produits de Paris, là. Ouais. Inogo, comment elle va me donner mon argent? Ouais. Oui, c'est bon, merci. On fait l'addition, s'il vous plaît.
Mais par contre, vous pouvez faire deux additions différentes. Ceci à part et le champagne à part. Merci. La mer de Patafouf à Rennes, on va descendre là-bas. C'est tout. On va descendre là-bas. Elle me veut quoi? Elle aurait dû régler en privé. Elle me paye, c'est tout. Tu ne travailles plus avec moi comme Vanessa Pan. Elle avait dit qu'elle ne travaille plus avec Vanessa Pan. Vanessa Pan, c'est tout. Tu ne travailles plus avec moi, mais paye-moi mon argent. Où est le problème? Hein? Notre écarteuse, elle avait ma madra, elle avait tout ce que je... Elle essuie toujours mon caca. Je te pisse dessus, petite écervelée de patapouf. Petite chienne. Tu oses m'insulter? Jusqu'à aller chez les détracteurs, ça part. Ta mère est où? Ta mère est où? Ta famille est où? Ta famille est où, petite patapouf? Ta famille est où pour te dire arrête? Hein? Alors, les additions. Là, il y a que le champagne, elle a les césars gambas. C'est tout là-bas. Ne fais pas là, on est en direct, pas de détails. Ah, d'accord, après, c'est bon. Merci. On va. Ok. Ah, non, mais oui, bon, attends. Non, en rien. Oui, je suis en direct, mais chaque bon. Chose en son temps. Que les abeilles continuent à aller là-bas. Elles t'insultent de l'autre côté. Et puis, je t'ai demandé ce que je veux. Elle a confirmé la défabrication. Va écouter. Va écouter Fokwe. Radian, je te bloque, sale chienne. Pétasse, aucune inspiration. Vous n'avez pas de sujet. Patapouf. Si ce n'est pas Fleur de Lys, demain vous allez parler de quoi? Hein? Sa stratégie, hein? C'est de. Tu vas quitter de là, tu vas aller encore voir quel star de Facebook. Ça, c'était ta stratégie depuis. Si tu veux faire les produits pour toutes tes soeurs de Facebook, là, tous les clashers, tu fais chacun à son tour. C'est facile. Tu ne cognes pas les têtes. Petite malchanceuse de merde. Je te pisse et tu te chies dessus. Petite chienne. Hein? Oui, c'est la l'écarteuse, c'est elle ici. C'est elle ici, cette chienne. Elle est là. Elle est là. Voilà, c'est elle ici. C'est elle ici. Cette chienne, voilà ses fesses ici. C'est ça qui la tue. Voilà ça. Là, voilà. Le trou ouvert devant, ouvert derrière. Cette sapaque, voilà ça. Ouvert devant, ouvert derrière. Et gardez le cul d'une femme. Comment c'est ouvert? Regardez comment c'est ouvert. Regardez le cul d'une femme, comment c'est ouvert. Elle est l'exemple de quoi? Elle est l'exemple de quoi? Elle est l'exemple de quoi? Cette chienne, elle est l'exemple de quoi? Regardez, une femme qui n'avait jamais accouché, regardez son ventre, comment c'est ouvert. Elle va payer ce qu'elle me doit. Elle va payer ce qu'elle me doit. Regardez comment elle écarte. Quand elle baisait, qu'elle se faisait attacher par les chaînes. J'étais là. Assez. Regardez. 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 J'étais là. C'est elle ici. J'étais là. Quand elle ouvrait ses jambes comme ça. Hein? Ah, c'est ça. Regardez.
Amène-moi au parquet. Cette sapac. Une chienne. Hein? Mais on a Jean va sortir. Trop dégueulasse. Et puis, n'importe quoi. Un petit truc non à la publication de la nudité. Quand vous partez, vous faites sauter chez les hommes. On est là. Chienne. Pétasse. Regarde-moi comment une femme écarte ses jambes. Elle se fait pisser dessus. Ils veulent venir. Dites que j'ai dit qu'on met la photo ou la pub. Okay. Moi, j'ai dit qu'on met le porno. Qu'on dit que je suis avec le chien là. Qu'on met tout le monde voit. Non, je n'ai pas le téléphone. Mon téléphone est en panne. Il faut qu'on parte, non? Ouais, on va prendre la route. Je vais faire pipi et je vais prendre la route. Bisous, non? Merci. À cause de l'argent, tu fais ça à ta soeur. C'est dommage. Je nique ta race. Chien. Ma soeur de quoi? Elle est ma soeur de quoi? Elle se mêle de quoi? On va payer, on s'en fout des pleurs. Bande de sapacs. Je rentre, bisous. Cette merde toujours derrière mon cul. Sandra, patapouf de long, tu vas payer mon argent. Sinon, ta vie, tu risques ta vie tous les jours que tu te lèves le matin. Tu vas rester en résidence. Hein? Allah, je lèche ma chaussure. Ma chérie, je lèche, hein? Je jure. Tu ne donnes pas, je serai à Londres pour un mois. Tu vas donner mon argent. Tu as compris? Tu ne donnes pas mon argent. Claude, comme cette fille, elle va marcher avec les gardes du corps parce que je vais squatter son appartement pendant un mois. Je serai devant. Elle va me donner mon argent, ce qu'elle me doit. Je vais la traumatiser. Qu'elle marche avec le gaz à l'intérieur. Parce que quand je vais la voir, je vais d'abord gazer cette fille. Je vais d'abord verser le gaz lacrymogène sur elle. Avant d'opérer, moi. Je vais faire ça, je jure sur mon passeport français. Après la plainte là, hein, on va aller aux mains. Merde. C'est elle qui part maintenant voir. C'est Sandra là, cette chienne qui part maintenant voir. Une petite fille avec le corps comme pour une vieille mère. C'est elle qui part déjà dans le direct des gens qui la combattaient hier. Moi, faut pas dans le direct de Ducamer, c'est où non? Je coupe, ok, d'accord. On t'a déjà porté plainte. On t'a déjà porté plainte, je te bloque. Chienne. Vous allez, j'ai dit que vous allez. J'espère que toutes les vidéos. Maman, tu vas me payer mon argent. Tu vas me payer. Si je ne suis pas l'enfant de Vomo Jubet qui est couché dans la tombe au village. Si je ne suis pas la fille de Vomo Jubet et de Njuko Anna. Maman, tu vas me payer mon argent.